dépêche-toi! Bon. J'espère que j'irai pas en enfer. Chiotte. Quoi? Elle est vide. Quoi? Mais... C'est vraiment un enfoiré. C'est ton frère? Tiens donc, une tête de mort. C'est bon signe. C'est l'emblème d'Avril. Qu'est-ce que c'est? Odier... Mecum eris in paradiso. Aujourd'hui, rejoins-moi au paradis. C'est ce que Jésus a dit à Saint Dismas sur la croix. Ouais. Mais... Et ces chiffres-là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une sorte de code? Ou un numéro de téléphone? C'est évident. Ce sont des dates. Hein? Ah, y'a. 1659. C'est l'année de naissance d'Avry. 1699? Laisse-moi deviner, l'année de sa mort? Oui, d'après la plupart des récits, mais ça veut dire qu'on a l'année de sa naissance, l'année de sa mort et le paradis. Il s'agirait donc de trouver la tombe d'Avry. À la cathédrale Saint-Dismas. Attendez une minute. Je croyais que Rafe passait le secteur au peigne fin depuis des lustres. Oui, la cathédrale. Vous voyez ces symboles? Oui. On en trouve sur les anciennes pierres tombales écossaises. Ok? Tenez, regardez. L'agencement des lieux est très inhabituel. Là, c'est la cathédrale, mais le cimetière, lui, est excentré. Rafe concentre ses recherches au mauvais endroit. Exactement. Les gars, en route vers l'Écosse. Ok, attendez. Vous vous rendez compte que Rafe sait que vous allez venir? Oui, mais on s'en occupera une fois sur place. Ce malade n'espère qu'une seule chose, c'est que vous vous pointiez là-bas. En plus, il a Nadine et toute son armée pour la protéger. Oui, mais il lui manque ce parchemin. Le plus grand trésor pirate de tous les temps est presque à portée de main. Je croyais qu'on faisait ça pour sauver Sam. Et c'est le cas. Mais on peut faire d'une pierre deux coups. Il nous faut ce trésor pour pouvoir sauver Sam. Comment Elena peut être d'accord avec ça? Non, t'es pas sérieux, fiston. Écoute, c'est pas aussi simple que tu le crois. Mais après tout ce que vous avez vécu ensemble... Elle pourrait jamais comprendre. Tu ferais mieux de lui faire un peu plus confiance. Je peux pas lui en parler. Nathan, il a raison. Les choses ont changé et Rafe est impliqué. Je peux me débrouiller tout seul, je t'assure. Super. Sympa de vous liguer contre moi tous les deux. Excusez-moi. Allô? Allô? Salut, c'est moi. Non, on capte super bien. Vous
Vas-y, t'as quelque chose sur le cœur. Écoute, Sam, je me rends compte que t'as dû en baver pendant toutes ces années en prison. Et je suis désolé de ce qui t'est arrivé, mais c'est pas sa faute. Je ne l'ai jamais blâmé. Tu te rends compte? T'imagines le temps qu'il lui a fallu pour raccrocher? Je ne l'oblige à rien, c'est son choix. En fait, il est même fait pour cette vie. Tu crois vraiment ça? Pourquoi t'es là, Victor? Ben, parce qu'il faut bien quelqu'un pour surveiller ses arrières. Non, on se voit dans quelques semaines. Ouais. Promis. D'accord. Je t'aime aussi. Au revoir. Je viens de lui dire que la mission allait finalement durer plus de temps que prévu, ce qui est parfaitement vrai. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Sam aura besoin d'un coup de main. Eh ben... J'ai entendu dire que le climat est des plus agréables en Écosse à cette période de l'année. Bon, on peut dire que Rafe a mis le paquet. Ils sont concentrés autour de la cathédrale. C'est une bonne chose. Ça nous laisse le champ libre du côté du cimetière. Sully. Ouais. Tout roule, on va pouvoir y aller. Ok, fiston. Bonne chasse. T'es sûr que tu veux pas venir? Ouais, mais à moins que tu me trouves un tapis roulant, je passe mon tour. Ok, alors à bientôt. Hey, Nate. Oui? Si tu peux... faire en sorte de me ramener un petit souvenir, ok? T'inquiète pas. Bon. Allons présenter nos respects au capitaine Avery. Une cathédrale écossaise. Un endroit étrange pour enterrer un trésor. Ben, pas vraiment. À l'époque où Avery a navigué jusqu'ici, l'endroit était déjà abandonné. Possible. En plus, avec l'énorme prime sur sa tête, ça nous faisait de bonne plante. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Rafe? Je pouvais vraiment plus le saquer. Et je suis presque sûr que lui non plus. J'étais en train de digérer ta mort, et avec toute sa frustration de ne pas trouver le trésor, je suis à peu près sûr qu'il était prêt à me tuer au moment où je suis parti. Imagine ce qu'il serait prêt à te faire maintenant. Je préfère éviter. Sam, écoute, il est impitoyable. Encore plus que quand on faisait équipe avec lui. J'ai entendu de ses trucs. Fais-moi confiance, toi aussi. J'ai plein de raisons qui me font croire que tout va bien se passer. C'est un peu haut. Ouais. Il faut qu'on trouve un autre moyen de descendre. Ça, ça devrait tenir. Oh, bien vu. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Du matériel d'excavation. Shoreline? Quoi? Regarde. Je croyais qu'il cherchait près de la cathédrale. Bloque-toi! Fais tes prises! Ok. C'est bon. Ouais. Moi aussi, j'étais ravi de vous rencontrer. On dirait qu'il nous attendait.
Et on dirait qu'il cherche à l'extérieur de la cathédrale. Ce qui veut dire qu'on doit aller au cimetière et en vitesse. Exactement. Et vous n'avez pas pensé à chercher sous la cathédrale? Si, on l'a fait. Un peu. Mais cet endroit est tellement grand que, franchement, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est quoi cet endroit? La vie des moines était partagée entre plusieurs bâtiments, le principal étant à côté du cimetière. Plutôt sympa, la déco. Encore des équipements de Charline. On a du bol, il n'y a pas de gars de Charline. Si ça se trouve, ils se sont fait sauter la paillasse tout seuls. Tiens, qu'est-ce que tu paries? Oui, de la dynamite. Hé, tu fais gaffe avec ça. Ça y est, j'ai ouvert la porte. C'était légèrement bruyant. J'espère qu'ils nous ont pas entendus. Ça explose de partout, alors ça passera peut-être inaperçu. Regarde, on pourrait passer par le toit. Mais c'est beaucoup trop haut pour nous. Faut qu'on trouve un truc sur lequel grimper. Ouais. Bye la porte. Tu te démerdes bien avec ça. Tu sais, j'ai fait sauter pas mal de trucs dans ma vie. Regarde, on pourrait utiliser ça pour grimper et sortir. Enlevez vos sécurités. Tu crois que c'est les types dont Nadine nous a parlé? Peu importe, les ordres sont les mêmes. On tire à vue. Par là. Par ici. Quelqu'un a fait péter cette porte. Sors de là! Allez!
jamais pu imaginer ça. On le tient! Allez, on se tire d'ici avant que quelqu'un s'en aperçoive. Allez, on y va. C'est bon. Ça va. Allez, suis-moi. Je peux lancer mon grappin. Voilà. À toi, tu crois que c'est dans tes cordes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui t'ai tout appris. Ok, vas-y, je te regarde. Tu vois? T'as eu un peu de mal. Sam, il y a une échelle que je peux pas atteindre. Ok, bouge pas, je te rejoins. Aide-moi.
Allez, toi. Allez. Super, merci. Voilà. Ça y est, le voilà. Le dortoir des moines. Encore deux ou trois sauts et on y est. Oh, tu vas nous porter la poisse. Et on descend. Ah. Ça brûle un peu. Ah. On s'éclate bien là-dessus. Ça toute la journée. On va toujours vers le coup. Bonjour l'éthique. Tu vas voir l'éthique. Je vais aller pisser pendant que tu fais la leçon, le bleu. Alors comment ça s'est fini? Il a maté la révolte? Sans notre aide, il a réussi à la contenir. Et bien que l'argent s'est mis à manquer, on n'avait plus de raison de rester avec ensuite lui. Gauche. Général, ensuite gauche, droite. Il a même pas passé la nuit. Vous êtes sans pitié, les gars. Comme dit Nadine, les affaires, c'est les affaires. Du moment qu'il y a de l'action, je me ferai bien un bon coup d'état, là. Ouais, m'en parle pas. Il va falloir faire un peu mieux que ça, les gars. Essayons de continuer comme ça. De préparer le site. Ouais, le cimetière est prêt pour la visite du gosse de riche. Ils ralentissent pas la cadence. La patronne veut des résultats et elle les veut pour hier. Ils ont trouvé quelque chose? Il paraît qu'ils ont découvert des trucs. Mais j'en sais pas plus. Thank you.
C'est quoi ça? Rien. Merde, ils ont failli nous avoir. Alors, c'était quoi? Je crois qu'il n'y a plus rien à voir ici. Ça
C'était obligé que quelqu'un entende tout ça. Allez, restons pas là. Là, juste derrière ces murs. Et on descend. Foiré de Costerich. Doucement, frangin. J'ai failli me faire arracher les bras, tout ça pour me faire gueuler par ce petit connard. Merde, je vais le buter. Super. Ce gars est à la tête de tout notre groupe. Qu'est-ce que tu crois que Nadine pourrait te faire? Moi, je me contentais de suivre ses ordres. Et alors? Qu'est-ce que tu crois qu'elle ferait? Elle m'aurait désingué. Exactement. Respire profondément et repars de ton côté. Ce sale petit enfoiré. Il croit qu'il peut me dire comment faire mon boulot? L'Américain, il est pas en train de se faire des amis. Bah, tant qu'on voit la couleur de son pognon, moi, j'en ai rien à foutre. Tu crois que Drake va se pointer? Apparemment, c'est ce que pense Nadine. J'aimerais tellement les voir débarquer, lui et sa bande. Ah, on est tous dans le même cas. Une seconde. Merde! C'était quoi? Bon, très bien. J'aurais jamais pu imaginer ça. Rien ici. Oh. Allez, faut pas traîner. Il nous voit pas. Regarde-moi cette voie. Oh la vache. Sam, viens par là. Parfait. Ugh.
Ok. S'il l'a fait, moi aussi je peux le faire. C'est encore mieux que le saut à l'élastique. Parce que t'en as déjà fait, du saut à l'élastique ? Non, mais c'est évident que c'est mieux. Alors, c'est à ça que tu t'amuses depuis toutes ces années, hein ? Faire le singe sur des ruines ? Ouais, ça et puis me faire canarder. Exploser, frapper, tabasser. Ok, ça va, j'ai compris. Poignarder, droguer. Et voilà le travail. Pas vraiment. Faut encore grimper plus haut pour traverser le ravin. Ce serait bien qu'on arrête un peu les glissades. C'est des graviers plein le slip. Voilà le portail du dortoir. Très bien m'y habituer. Sam, tu me donnes un coup de main ? Allez. Bienvenue au dortoir de Saint-Lismas, la prétendue dernière demeure d'Henri Avry. Allez, il faut qu'on trouve cette tombe. Et Nathan, viens voir ça. Tu as une paire de sabres d'abordage.
merde. Ah, c'est de la belle ouvrage, mais... Non. C'est pas les bonnes dates. Bon alors. Il nous faut les épées croisées, la tête de mort, et les dates 1659-1699. On trouve une tombe avec trois éléments, et on est bon. Bon, allons profaner quelques tombes. C'est parti. Oh, les épées correspondent. Voyons voir. Non. Pas les bonnes dates. La date est bonne, mais les épées sont à l'envers. C'est pas la bonne. Ok, les épées correspondent. Et l'année aussi. Sam, viens voir. Tu l'as trouvé ? Regarde, Benjamin Bridgman. C'est le pseudonyme d'Avry. Il y a un truc qui cloche avec ce crâne. Comme si c'était un élément rajouté. Bah oui, tu veux que je te dise ce qui cloche ? C'est que c'est pas le sceau d'Avry. Ouais, voilà. En fait, ce crâne, il devrait... être de profil. Qu'est-ce que c'est ? Allez. Tant que je suis prêt. Regarde ça.